Et je suis un peu le, pas le farceur d'occasion, mais en tant que président de l'EFASDICEN, j'ai l'honneur et le plaisir et la fierté de que cet cycle de conversations, je dirais pas de conférences, de conversations, démarre grâce à, au laveur des marieurs, on dit, qui a fait la Fondation pour l'Homme et avec le son. C'est des... J'ai toujours confusion parce que ça a changé 4 fois de nom depuis qu'on se connaît, mais on va parler des expertes en durabilité. Et nous, les PASDICEN, d'avoir la possibilité de faire sortir le présent de la recherche vers des sentiers un peu différents. Et de vous obliger aussi à vulgariser votre jargon et le faire digeste pour certains. Donc, depuis, ça fait 3-4 ans qu'on a que cette idée tourne dans la tête. Non, l'idée de faire la conférence ici, de faire ce type de rencontre, ça tourne dans la tête. Comment faire? Nous, en tant qu'espace qui se dit dans la ville, d'espace citoyen, qui veut démarrer une discussion sur la durabilité, la transition et toutes ces autres choses, et marier cet public avec un public un peu plus corsé dans leur discours, comme c'est vous ou les gens qui font de la recherche. Certains disaient que c'était un peu, on va montrer la relève, et ça me gêne, mais c'est pas la relève, c'est le présent. Il n'y a pas de relève, hein. Les autres sont déjà installés, donc on cherche toujours les vaches sacrées, les pontes de la pensée pour parler. Et ça empêche que vous parliez. En tout cas, ceux qui vont parler ce soir et qui vont parler en novembre et en décembre. Donc pour nous, l'occasion, c'était aussi de mettre ça à la place et que vous avez votre place. Ce n'est pas la relève, c'est la vôtre. C'est celle de la recherche du présent. C'est le présent de la recherche. On ne dirait pas le futur seront ceux qui viennent après vous. Et donc, voilà. Aujourd'hui, on va commencer des discours. J'ai hâte de découvrir toutes les conneries que vous allez dire. Et ça, c'est génial. On a le droit de se tromper. Parce que c'est ça qui nous permet de lever le pied, de continuer à découvrir et à inventer des futurs possibles. Donc merci à l'université et au centre de durabilité. Merci à la Fondation pour l'Homme pour faire le parrain, être le parrain de ce mariage, ou être la marraine, je ne sais pas comment dire. Et voilà, merci à vous tous d'être là et merci beaucoup.